donc Dominique qui est le tour manager de cette tournée des Cannibals en France, Mike Spencer qui est le chanteur de ce groupe qui nous vient donc de Londres, même si Mike est américain. Alors, first of all, Mike, first question. I'd like to, you to tell me what is trash music in London. Qu'est-ce qu'est le trash à Londres exactement? We are trash, this is it. It's difficult to explain, it's what you think. It's many, many kinds of music. Mm-hmm. Beaucoup sorts de music. What kind of music? It's all kinds. It's what you think, it's what you feel inside. D'accord. Mike dit qu'en fait c'est difficile à définir, c'est ce qu'on a entendu, c'est beaucoup de choses, c'est aussi une question de feeling, une question d'état d'esprit. Alors Mike, we are in 84 now, in 77, it was the punk. Is there a relation between the two things? Est-ce qu'il y a une relation aujourd'hui en 84 avec le trash et le punk en 77? What are you talking about? Yeah, punks is great. Yeah, it's the same feeling, but different music, different clothes. Yeah. It's 7 years. No compromise. It's against all the bullshit music that you hear, like Duran Duran, Spandau Ballet, and Culture Club, all that crap. Mike dit qu'on peut en fait le rapprocher un petit peu de ce qui s'est passé en 77, dans la mesure où c'est un mouvement qui veut pas faire de compromission et qui lutte un petit peu contre toute cette tendance de la New Wave en Angleterre, comme des groupes comme Duran Duran ou Spandau Ballet. Yeah. What is the future of trash music in London? Oh, fuck knows, I don't know. There is no future? There's a big future, but I don't know. It's up to the promoters and everybody. It's not up to us. We just play all the time. Uh-huh. The same. We are what we are. Uh-huh. To complete, we are what we are. We are what we are. Bon, c'est ça, nous sommes ce que nous sommes. We don't do anything different. We just are what we are. Mm-hmm. And we hope people accept us. Mm-hmm. And that's it. If people accept us, and it's good. But right now, it's good in London because people are sick and tired, fed up about all this synthesizing music. Il dit qu'en fait il en a un petit peu marre de tous ces synthétiseurs qui ont en fait envahi la scène anglaise, que le trash, les Cannibals, c'est d'autres groupes comme les Milkshakes ou les Sting.